Nous sommes arrivés au dernier chapitre du dernier livre de l'Ancien Testament. Nous avons fait un long parcours. Je veux te féliciter, toi qui lis ta Bible et qui cherches à mieux la comprendre. Lisons les dernières paroles du prophète Malachie. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en or pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. À la conclusion de son livre, Malachie regarde en arrière et demande à ce que le peuple n'oublie pas les instructions que leur ont été transmises par Moïse. Ensuite, Malachie regarde vers le futur. Il annonce qu'Élie viendrait pour un travail de conversion du peuple. Moïse et Élie étaient deux personnages importants dans l'histoire d'Israël. Au-delà du ministère important qu'ils ont développé, tous les deux étaient un symbole d'espoir, car tous les deux avaient vaincu la mort. Moïse, bien qu'il soit mort, il a été ressuscité et est allé habiter avec Dieu. Élie n'est même pas passé par la mort. Il a été pris au ciel dans un char de feu. Et c'est justement ces deux-là qui apparaissent au Nouveau Testament sur le mont de la Transfiguration pour discuter avec Jésus. Ainsi, les dernières paroles du prophète Malachie agissent comme un pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il annonce la plus grande espérance pour son peuple, la venue du Messie. Mais ça, c'est un sujet pour un autre jour. Nous avons encore un long parcours tout au long des pages de la Bible. Et chaque partie du chemin, il y a des révélations incroyables.